Ouais. Moi, je pense plus à mettre à distance Kazuya, et du coup, là, je trouve que c'est plus Air Bizarre. Il y a Drazai qui est en train de partir, du coup, on lui fait des bisous. Voilà. La SMB. Tu n'iras distance avec quoi? Avec le Razor Leaf qui peut reflect? Bah non, pas vraiment du coup, mais avec peut-être le F-Tilt de... Palutena, allez, directement. Backer, on est bien. Mais non, mais en vrai, il a raison. C'est vrai que je pense que le Pokémon Trainer peut être très très compliqué à faire marcher contre Kazuya. Mais ici, passer sur une Palutena, c'est intelligent. On l'a vu sortir contre Naskino tout à l'heure. On l'a vu sortir tout au long de la weekly aujourd'hui. Et on va voir comment ça se passe face au Kazuya de Chiroshin qui est très très bien. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Bien, il veut. On a un bâton, mais moins un vrai. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est un peu décevant. Après, ça avait vraiment envie de jouer des trucs invincibles, tu jouerais Kazuya. Ou Steve. Mais t'inquiète, Steve. Il... invincible. Et du coup. C'est tendu entre les deux. Bien vu ça. Chercher le upper, mais malheureusement ce backer. Aïe aïe aïe. Il y a un trop malin qui a pas paniqué Riddle, qui du coup va réussir à trouver ce backer parce qu'il a... Oh bah tiens, 33%, ça c'est pour moi, c'est gratuit. Il se marre en plus. Là il va trouver ça. Ah par contre ce backer, ouais, bien vu. De la part de la palu de Nono qui va récupérer ce landing. Faut faire attention quand même à ce ledge trap. Bien esquivé et du coup bien puni malheureusement. Kazuya va réussir à mettre un bon up smash là-dedans. Ouais, j'aime le start-up de Kazuya, il me semble bien qu'il accompagne un peu. Wild Electric up smash, sans stock à 90, une fois de plus sur Kalos, il s'en fout, tu lui parles pas de maths, tu lui parles pas de hauteur plafond. Et la phase qui est lancée directement, électrique encore, le nerf qui va spike, oh, le B sera pas fini sur la plateforme, je libère, on va reverse la position encore une fois, on va mettre backer cette fois. Nono qui se rattrape bien là-dessus. Tant qu'il garde la phase de l'échrap, il a pas grand chose à craindre. Et finalement, électrique up smash. Et ouais. Finalement. Pourquoi pas? Après, j'allais dire électrique. Je veux dire, jusque-là, ça a marché. Bon. Alors bon. On continue? Bah, attends. De toute façon, ça peut pas ne pas marcher. C'est le plan de jeu. Si ça marche pas, on abandonne le navire, messieurs. C'est faire électrique. S'approcher de la Palutena, faire électrique. Ouais. En vrai, je me dis pourquoi pas. Hein. Reculer un peu, attendre que la palu approche, faire électrique. Non mais en vrai, il était en train juste de rouler sur la game réellement. Chiroshin était très très bien dans sa game et ici il va pouvoir tranquillement avoir son 1-0. Maintenant on sort Pokémon Trainer du côté de Nono et on essaye un peu plus de répondre présent sur cette loser finale. En tout cas, si c'est pas maintenant, ça sera quand? C'est ça, et puis... sur un perso qu'il a quand même 10 fois plus joué que Palu. Oui. Obamo. Oh, j'ai souri en plus. Ça aime le risque ici. Ça aime le risque. Pas de map pour les deux aussi, je crois. Ah ouais. Parce que Kazuya sur Yoshi-Story, bah... Oh, y a Kazuya sur Yoshi-Story, ça peut faire très très mal, mais il arrive à faire parler le Carapuce pour l'instant. Je vais passer sur un bizarre directement. Il va falloir faire attention à ces phases un peu... font peur, hein. On regarde le match tout comme vous et on se dit mais où est-ce que ça peut partir? Quand est-ce que ça peut partir? Double spot dodge down smash, frère! Qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus on continue du côté de chien, en plus le laser derrière, le deuxième laser malheureusement qui ne va pas passer. Tente l'électrique et on va se faire reset. Ouais, on va se faire reset. Nono qui patiente un petit peu, je pense qu'il fait bien de pas se jeter dans la gueule du loup. Et là on va... Ouh voilà, on va essayer de provoquer quelque chose et punir avec un backyard sweet spot. Ça a tué un sang au début du stage. Kazuya. Et oh, il connaît pas, frère. Down air? Non, ça n'a pas abouti et du coup on va devoir retourner sur ce ledge du côté de Nono Colors, le saut qui a été vu mais malheureusement qui ne va pas tuer alors qu'on est sur Yoshi Story, hein, alors qu'on est à 153, mais c'est Dracofeu, on va réussir à survivre et du coup à tranquillement jouer autour de ses hop B, tranquillement trouver ce nair malheureusement. Le combo derrière avec le downer ne touchera pas et on va être de nouveau en situation de ledge trap. Très bon neutral B, putain. Nono qui est en train de sortir des options out of his mind. Il est très très bien, backer bien placé, peut-être la situation où il peut aller choper la stock, en tout cas il va le tenter, ça c'est sûr. F-Tilt, malheureusement, c'est quand même le CD qui prend le meilleur. C'est comme le CD et ce flash qui vient clore la stop, mais par contre, Nono qui a. Oui, ok, encore. C'est pas grave. Chien qui arrive à monter, on va prendre ce Fouillian. Nono qui arrive quand même à. Mais oui! On va trouver la sur la top plateforme, ça tuera pas encore parce que Kazuya c'est lourd et que la vieille est bonne. Je
Et ouais, on va reprendre 40% bien gratuitement. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ah, oh, le est-il bien trouvé. Va falloir remonter avec le flip et down air. Genre, les options qu'ils choisissent, c'est un peu incongru. On va quand même réussir à trouver ce grab de la part du Dracofeu Nono Colors. Et la situation derrière qui fait plaisir. Il connaît pas, frère, il connaît. Boum. Très bien. Boum. Oh, en plus, on arrive à gratter tranquillement du côté de Nono. Se faire, par contre, il était trop. Se faire punir. Et ça va être surtout à double spot dodge, mais du coup, chien qui a une meilleure option en spot dodge cancel que Nono. Et ouais, heureusement qu'on s'est pas pris cet électrique. Ça aurait pu être une fouille de game. Et le tir bizarre là en ledge trap. Il n'a pas de réussite, le book, je te jure, 4 fois qu'il arrive à une situation où il est à 2 doigts de tuer, il a la read, il a le bon truc, mais il n'arrive pas à tuer. Allez, enfin, non, mais toujours pas. Par contre, la tech chase, bien joué, perd encore. Et voilà, cette fois, ça va prendre la game, la stock. Ouh. Souffle quand même, parce que là, Gazou... La deuxième stock, quand il prend, il a eu son... C'est son moment de... Enfin, ça se voit qu'il n'était pas trop... D'accord pour continuer de jouer longtemps avec, avec Kazuya. Plutôt que d'une mousse, frère. Allez, hop, hop, hop. Ouais, c'est ouf. On a décidé de repartir sur Pokémon Trainer, mais d'abord on concentre, tu vois. Ça épuise de jouer contre Kazuya. Mm. Et en face du côté de Chien, on est très tranquille. On respire quand même bien fort, hein, on va pas se mentir. voilà, on se. Petit footing. Non, ça fait des grandes inspirations, mais ici c'est normal parce que ça va jouer pendant 7 minutes sur Battlefield contre un Nono Colors ultra chaud. Bien. La petite situation d'un tilt. Et encore une fois, électrique pour. C'est trop fort. Les deux trucs, on catch le up B out of shield de Nono et encore une fois là, le down smash qui est tanké. Du coup, le up B et il arrive à trouver down smash et F smash. Voilà. Il est trop fort, il continue en plus. Et par contre, là c'est Nono qui a réussi à trouver la situation avec double back air, bien vu, il n'y a plus d'options pour chien. Down smash, mal timé malheureusement, et du coup on va pouvoir s'en sortir du côté du Kazuya lyonnais. Par contre, cette situation avec la tech qui n'est pas prise, et malheureusement on n'a pas de situation derrière plausible avec un kill là-dessus. Non, Nono Colors, il peine à trouver ça. On arrive finalement à prendre la stock avec un back air en punition de retombée, mais on est quand même à 94% contre un Kazuya, donc ça veut dire qu'un électrique peut mener à la mort. Donc forcément on n'est pas sur un du côté de Nono, mais là on est en strap, donc on est plutôt pas mal. Et oh, ce landing upper qui a touché de si loin. Trop fort, il est trop fort, et en plus malheureusement Sunner il est tenté. Et la punition il se rend coup pour coup. Mais qui va sortir vainqueur de ce truc là, on se demande vraiment, le faire, bien joué. De la part de Nono, il va repousser en plus. Situation de ledge trap avec le backer, peut-être qu'il tente, voilà. Et le F-Til derrière, bien sûr, tu ne cours pas sur un Dracofeu qui attend patiemment au ledge. Le grab, non, il le tente pas, il tente F-Til, oh. Et malheureusement, on va se faire choper là-dessus. Très bon ledge drive de la part de Chien qui, du coup, est à 1 électrique de prendre la game. C'est assez bien résumé, en même temps c'est pas si faux. Mais bon, on est quand même sur le Dracofeu de Nono en face et finalement on arrive à trouver cette Donspo électrique. Ok, on va trouver 54% là sur une touche. C'est quand même pas dégueu parce qu'à la prochaine touche ça veut dire qu'on peut potentiellement mettre à kill pour cent. Oh, et oui, c'est trouvé. C'est fait. Malheureusement, le combo est pas entier. Du coup, c'est Nono qui va récupérer le meilleur avec ce FR. On est quand même en situation avec 122 contre un Kazuya. On va avoir des difficultés à reprendre le centre. Mais on y arrive. Ok. Ouais, ça c'est tanké. Heureusement, c'est Dracofeu. Et c'est quand même mieux. Mais bon, il y a 172%. Là, il y a à peu près tout qui tue. Un F-Tilt Ledge par exemple. Oh, on va tenter FB. Ça peut jouer plus d'options. Le fer qui va presque tuer. On va réussir à faire par-dessus ce laser, le Trump qui est tenté, Nono qui ne prend pas, mais on va quand même prendre le UB Biffy. Ou il est remonté sur 7. Je pense qu'il a fait Biffy. J'ai même pas vu si c'était Upper. Bon bref, j'ai rien vu. Hein. Ah si, c'était Upper. Oh, j'en sais rien, je comprends rien, frère. Non, si je crois que c'était UB. Hein. Non, ouais, carrément. Je crois que c'était UB, ouais. Mais très bien vu de sa part, là. Récupérer cette game, Gucci, pour le bon chien.
qui est à 2-1 là-dessus. Il dominait les débats depuis le début, il est arrivé. Ouais, et là, il a fait. Ensuite, bon, il s'est fait remonter juste avec une reprise dans la foulée. La phase d'avantage de la fin, là. Chaque fois qu'il touchait, ça mettait soit 50%, soit la stock, en fait. Mais c'est pas fini, on est d'accord. Il y a 2-1, il n'y a pas encore 3-1. Et on va partir avec une game finale, potentiellement. Si Shuriken l'emporte, joueur de Kazuya ici, Tekken, ce qui va remporter la game. Aucune idée, mais pour le moment, c'est lui qui a l'initiative et on trouve deux side B. On se foire un peu sur ce qu'on voulait faire, j'ai l'impression, et on le paye le plus fort. On est en train de prendre des combos carapuces et 55% trouvé pour Nono. Oh on va trouver encore une dash attaque, le F smash, bon switch, peut-être le DR là pour. Non, on va pas tenter. On va le trouver ici, on va mettre un petit backer, on va jouer safe, on va jouer autour, on trouve cette downthrow, rien de plus après. Le F-Smash qui va toucher de derrière, oui oui vous avez bien entendu de derrière. En effet, et du coup il va falloir aller choper cette stock et on continue de pousser. F-Til bien joué de la part de Nono, on va se replacer, là on est très bien fait, il connaissait le timing et ici 53% déjà, 70% par contre, avec Carabus, c'est trop fort frère, c'est trop fort sur une interaction, sur un claquement de doigts, je te jure gros, la stock elle part, alors que on essaye de trouver la situation, on arrive à la trouver la bonne situation pour Nono Color, avec l'enchaînement directement, le combo trop bien fait de la part de Nono, ici, continuer. De faire le Gucci Gang. Oh, ça aurait pu être terrible cette situation de Tech Chase sur la plateforme. Pour Zouzou qui a pris la bonne option en rollant out par rapport à la position de Chirurgien. Et là, Dumpsuit pour mettre dehors. On passe en ledge trap avec Draco Feu. Qu'est-ce qu'il nous cuisine? Un bon gros backer. Voilà ce qu'il nous cuisine. Bien et sûr. Là, par contre, on a un bon lead pour Nono, il s'agirait de ne pas se prendre un down smash à 67. Il s'agirait de ne pas se prendre un électrique à 81. Il s'agirait de ne pas se prendre un side B. Non, il arrive à trouver le bon combo et du coup il va pouvoir gratter tranquillement les pourcentages qu'il faut avec ce bon backer. Avec derrière peut-être l'Exand. D'air bizarre, pardon. Side B, oui, on va pouvoir punir derrière avec le clank, le nerf qui est bien fait. Mais malheureusement, ça va disconnect. On est quand même sur une situation d'avantage énorme pour Nono Colors. Malheureusement, c'est le électrique pour punir le F-Smash. C'est peut-être pas juste, frère, mais c'est exactement ce que le jeu il m'a dit. Et du coup, on a un Nono Colors qui repasse sur Carapuce avec ah, une bah stock. Oui. La stock, il a... Ah non. Non, c'est dur. J'ai trop peur. J'ai trop peur, frère. Non. Ok, on va juste gratter les coursins avec le backer après l'électrique. Prochain qu'on touche, on peut peut-être faire quelque chose de très 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 intéressant, mais on va prendre ce backer du chien et là on va trouver le Rage Drive, ça tuera pas encore, bonne DI. 107%, cela dit, on est en danger du côté de Nono, on arrive à trouver bien ce vu backer ce upper. Excellemment bien joué. Trop bien cancel vu. Side B, upper. Peter Cancel, c'est un truc de fond avec Rabin et Nono, il les utilise super bien, c'est trop beau à voir. Comment il a cassé le rythme d'un coup. Il était là, il remontait, tout le monde savait, tout le monde avait le cul tendu, frère, on était en train de suer, frère. On avait un Kazuya au ledge qui pouvait le fumer, il a changé le rythme. Il savait qu'il l'avait cette game, il savait que c'était maintenant en fait. Du coup, 2-2, last game, et qu'est-ce que c'est que ce tournoi, frère? Qu'est-ce que c'est que cette hype? La loser semi était archi tendue, archi serrée, et là on a une loser semi, archi tendue, archi serrée. Ouais. Et... après, je pense que la grande finale sera peut-être un peu moins serrée. Non, là, c'est maintenant la vraie grande finale, les amis. On a Chien contre Nono, Game 5. Et on part directement sur un magnifique down throw. On va continuer en plus à gratter un petit peu face à ce magnifique... Waya, la phase de fou. Ah, il a, je il sais est... pas quoi dire. Ouais, ouais, il a failli l'envoyer dans l'espace, mais finalement, on a que 100% du côté de... j'arrête. Non, mais faut arrêter, un moment, c'est faut couper le tous buzz. Ensemble et que, voilà, on part du spectacle. Bon, ouais. Vraiment, ouais, non, quand c'est Nono qui touche, je te jure, on a envie de caster, je te jure. Ouais, voilà. Genre là, il touche un R, il touche un B, il vient de jumpscare tout le monde dans la salle. En fait, voilà, mais oui là, il a... mais Nono, il est... incroyable. Oh, mais ils sont tous les deux là, en fait. Ils sont là pour se rendre des 0 to death, comme ça. Frère, c'est exceptionnel, on sait pas quoi dire au cast, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Et là, directement, bah, ça repart sur des situations où n'importe qui touche peut potentiellement... Mais t'as vu comment Nono, il est en train de jouer tout autour, il essaye de trouver des situations très très précises, alors que Kazuya, en face, il essaye juste de trouver des gros... Ah,
Oh, ok, ça va, heureusement, on le parie. Oulala, ça peut mal partir. Ok, ça va, il n'en sera rien. Charger Leaf, ça va se faire punir par Dragon Punch bien tranquillement. 80%, c'est déjà chaud hein, là, un électrique, on en parle plus, c'est ça? C'est ça, hein, c'est ça. On n'en parle plus, mais on en parle encore quand même de Nono Colors. Oui, la phase avec la Tech Chase, très bien vu. Il a envie de gagner ce match. Il a envie de gagner ce match, frère. Il va se l'accaparer en fait ce match. Avec ce down air peut-être. Up B, on le tente. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver ça. La bonne situation de Tech Chase, on contente. Up air, on continue avec un down air. La situation, ouh, pas de tech, mon gars. Tu prends ton F smash. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Je suis trop chaud ici. Ici, c'est le moment de Nono Colors en fait. Il est trop chaud, frère. Il a envie de continuer. Mais malheureusement, bien sûr, vous connaissez mon très cher ami Kazuya. Oh, Vos meilleurs curseurs sont arrivés. C'est exceptionnel. Allez, on part sur une game ultra tendue, last game, last stock pour cette loser finale. Le vainqueur va affronter Dastino. On continue, Nono Colors qui continue. Il a envie de cette grande finale, frère. C'est bon, le side qui va rien donner. On trouve ce Razor Leaf, on continue de gratter les pourcents avec ce fer. On trouve la bonne dance roll, le Fuelian et la DI en direction de l'Antarctique. Voilà cette game! Nono qui arrive à clutcha, franchement. Oh les gars, cette game! Exceptionnel! Let's go, Nono! Ça crie, oh ça vient, mais j'en suis sûr qu'à côté ça doit être.